无论何时与你相识我都知，我姓石，执笔写字犹如骏马在奔驰，我姓石，今往神驰，执笔再以落笔直，我姓石。哎呦哎呦哎呦，oh, salut-vous ! Vous attendez à avoir une nouvelle vidéo de Christophe VG Geek ? Ah ben on est parti ! Let's go les images ! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous faire une petite présentation des 30 objets les plus what the fuck du site Temu. Timou, Chimou, Chi dans le trou. Mais voilà, j'en sais rien, comment on dit. Ouais, je pense que c'est Taimou, je sais pas. Vous savez, ce fameux site chinois, alors à la base, ils font croire que c'est américain, mais le site, il est bien chinois, quoi. Je vais vous présenter ce gros colis, là. Je vais faire comme P1. Vous savez, quand il fait ça, il... Non, je vais pas le faire parce que je vais me péter le dos. Alors, je vais vous présenter, il y a plus de 30... En fait, il y a 31 objets dedans. Mais il y a un objet qui est lié avec un autre objet. Voilà, il faut deux objets pour en faire un. Voilà, vous comprendrez tout à l'heure. J'en ai eu environ pour 45 €. Donc je vous mettrai tous les prix pour être transparent avec vous. Alors, je vais vous avouer un truc. Il n'y a pas que des trucs what the fuck. Il y a des trucs aussi que j'ai pris par moi-même. Mais bon, ça reste quand même des objets. Putain, ça pue la merde. Ça pue la moule. Ça sent le tamoul. Alors, on va bien voir ce qu'il y a dans ce colis. J'ai acheté des trucs, un truc à ma mère aussi, bon, elle m'a remboursé 10 €. Bon, je vous le dis, c'est des chaussures. C'est dommage que c'est pas le colis, spécial, vous savez, qui est tout orange. Maintenant, ils les font comme ça, Bon, enfin bref, assez blablaté, on va ouvrir tout ça, on va peut-être tester des trucs, j'en sais rien. J'ai pris aussi des trucs pour ma bagnole aussi, vous allez voir. Alors, on va ouvrir, on va essayer d'ouvrir proprement. Oula. Oula. Wow, ça pue. Alors, je ne suis pas sponsorisé par Temu, parce que j'ai pas eu l'occasion. Ils m'ont pas donné l'occasion d'être sponsorisé par eux. Apparemment, c'est assez galère pour être sponsorisé par eux, parce qu'ils ne respectent pas ceux qui font du contenu sur YouTube. Ils respectent pas les engagements des vidéastes. Donc, je ne participerai pas. Je ne ferai pas de pub pour eux, quoi. Je ne ferai pas partenariat avec eux. Voilà, je vais y arriver. Sinon, ils traitent mal leurs employés, donc je vais pas travailler avec eux. À part si vraiment ils me le proposent. Mais moi, s'ils me proposent, je le ferai en mode gros troll. Donc voilà, donc là, ça vous prouve que je ne suis pas sponsorisé par eux, sinon j'aurais pas balancé tout ça. Ils respectent pas leurs ouvriers parce qu'ils sont payés une poignée de misère. Voilà. Moi, c'est l'histoire de commander des choses. Niveau éthique, ça se fait pas. Après, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à me reprocher, je commande, il n'y a pas que moi qui commande chez eux, les gens sont au courant de ce qui se passe, mais ils commandent quand même, moi je fais pareil que tout le monde, donc j'ai rien à me reprocher. Je commence par le premier objet, je sais pas, on va commencer par quoi. Alors, ah voilà, ce petit objet là, Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous mettrai tous les prix. Regardez, ça fonctionne bien. Hein. En vidéo, ouais. Quoi. J'ai fait des screenshots, vous allez voir ça. C'est un petit. C'est pour mettre de l'eau dedans, c'est un petit distributeur de. Regardez. C'est un petit distributeur à eau. Hop. Donc, trop mignon. Franchement, premier objet avec la petite bouteille. Tac, hop, après je crois que vous mettez ça comme ça. Hop, attendez, est-ce que ça se clipse? Non, par contre ça se clipse pas, je comprends pas trop. Bon, enfin bref, ça se clipse pas. Attendez, comment ça marche ce truc? Bon, je comprends pas comment ça fonctionne. Attendez. Ah voilà. Est-ce que c'est comme ça? Bon, je sais pas comment ça fonctionne. J'en sais rien. Bon, enfin bref. Voilà le premier objet. Je sais pas comment ça fonctionne. Ensuite. Alors ça, c'est un truc pour se projeter. Vous savez, pour projeter des images de l'espace.
Vous voyez, il y a tout ça. Donc ça, c'est tous les... C'est toutes les photos de l'espace. Donc je sais pas s'il y a des piles là-dessus. J'en sais rien du tout. On va l'ouvrir. Let's go. Allez, hop. Comment ça s'ouvre? Oh là 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 là. Putain. Ah, il n'y a même pas de piles. Il n'y a pas de piles. Oh là là. Il n'y a pas de piles, je crois qu'il n'y a pas de piles. Je sais pas comment ça... Attendez. On va essayer. Je sais pas comment ça marche. Attendez. Bon, ah oui, il faut des piles. Ah ouais, oh là là. Faut des piles. Ah ouais. Ah, son casque, il faut des piles. Bon. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, j'ai acheté ça pour les images, vous projeter des images au plafond. Je vous ferai peut-être des screenshots des trucs que j'ai achetés. Ensuite, troisième objet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Un petit... Bon, c'est pas les trucs les plus what the fuck que j'ai acheté quand même, mais bon. On va voir ça. Ah putain, un carambage de merde. Putain, y'a pas un ciseau là. Voilà. On chie avec leur truc. Hop. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les petits haricots. Vous voyez, regardez. Hop, voyez. Allez, hop. Youp. Bon, y'en a qu'un qui. Il y en a qu'un qui sort. Allez. Bon bah c'est un truc d'haricot hein. C'est pas fou quand même hein. J'ai acheté ça je sais pas combien. C'est quoi? Regardez, bon c'est un... Ah oui regardez. Bon vous voyez pas bien mais c'est un petit... Regardez, ils sont trop mignons. Bon voilà, bon c'est pas dingue hein. Ça c'est... Bon, c'est pas ouf hein. C'est pas fou. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça, ça va être un t-shirt. Ça va me casser les couilles, toi, tu as pas... Allez. Ah, voilà. Ah, là, c'est de... on est déjà dans quelque chose d'un peu plus quali, quoi. Ah, ouais, là. Bah, en même temps, j'ai payé 13 euros, quoi, donc... Regardez. C'est, comment ça s'appelle, les espèces de bestioles, là. Des oxolotes, je crois. Regardez, avec les spaghettis en ramen. Il est magnifique. Et franchement, ça, c'est validé. Ça, franchement, la qualité. Ça, c'est validé. Ça, pour l'instant, c'est en suspens. Parce que je sais pas si ça fonctionne correctement ou pas. Ça, c'est en suspens. Ça, j'ai pas mis de pile. Donc, je ne peux pas juger pour le moment. Ça, c'est clairement pas validé. Attendez. Je vais éteindre le Discord. Fait chier toujours faire du bruit Discord. Ensuite, des chaussettes. J'ai commandé des chaussettes. Le mec il a commandé de ces trucs. Regardez, hop. Alors, ça donne quoi? Oh. Ouais, par contre, oh putain, par contre ça pue. Hein. Ah, les petites chaussettes, Pac-Man. Regardez. Ah bah ça c'est validé ça par contre. Ça c'est vraiment validé. Ah oui, ça c'est validé. Ça par contre je valide. Ensuite. Oh là là. Oh là là. What the fuck. Mais alors là on est dans le truc le plus what the fuck. Ah pour l'instant il n'y a pas beaucoup de trucs what the fuck. Vous allez voir ça. Une trousse en forme de poisson. Je crois que c'est du bar ou j'en sais rien. C'est une dorade. Non je sais pas trop ce que c'est. C'est vous savez les poissons. Les poissons qu'on trouve dans les ports là. En forme de... Attendez. What the fuck. Par contre ça va pas jusqu'au bout. Ah si si attendez non. Ah oui. Regardez. Petite trousse poisson. Bon ça c'est... Attendez est-ce que... Ah c'est validé. C'est pas fou. C'est pas très très beau. Mais bon c'est le côté what the fuck. Ouais c'est validé. Ah ça je valide. Ça je valide. Ensuite qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Ah ça c'est vachement bien.
Ah oui, oui, bon, oui. Bah, petit retournement de situation. Par contre, est-ce qu'il y a besoin j'ai décidé de remettre des piles neuves au lieu de prendre mes piles de ma souris. Vous allez voir ça, regardez. Ah, vous voyez, c'est ouvert. Alors ça, c'est un truc, vous savez, pour... Attendez. Est-ce que ça marche, là? Regardez. Je vais vous faire voir. Alors, je sais pas du tout comment ça marche, attendez. Ah oui, il faut des piles, vous savez, c'est par exemple, vous avez une poche de chips. Pour fermer la poche de chips. Bah, j'essaierai de faire des petites vidéos. Bon, bah, je peux pas savoir si c'est validé ou pas. Je peux pas savoir, j'ai pas de piles. Ensuite... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! La petite lampe ! Alors, il y a le transporteur dans ma boîte aux lettres, il avait chargé le colis, il avait... ça y est, il y a le colis, il avait poussé le colis à fond dans ma boîte aux lettres. Donc, pour le sortir, c'était galère. Eh, franchement, le transporteur, t'es même pas fichu de l'emmener devant ma porte. Tu mets mon colis, tu bourres mon colis dans ma boîte aux lettres. Mais franchement, mais change de métier, mec. Hein. Eh, franchement, j'espère que tu vas être au chômage à la fin du mois. Hein. C'était vraiment une merde, hein, mon pauvre. Hein. Le mec il s'embrouille avec les... Non, mais c'est un transporteur de merde, faut arrêter quoi. Alors ça c'est super mignon, je l'ai eu pour 28 centimes. Ouais, c'était la promotion, vous savez, quand on s'inscrit sur Temu. Ça, alors ça c'est hyper quali par contre. On s'en fout. Regardez, c'est trop kawaii. Regardez, j'espère qu'elle est pas abîmée. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'objet abîmé. Hein. Regardez, ces petites lampes avec USB, c'est magnifique. Par contre, ça s'ouvre comment? Oh, regardez, oh yes. Oh, elle est grave mignonne. Elle est grave mignonne. Regardez. Elle est trop kawaii. Elle est trop kawaii. Regardez. Oh, elle est trop mignonne. Alors ça, pour 28 centimes en plus, ça, c'est validé. Archi validé, même. Ensuite, on continue. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le calendrier chien caca qui fait caca. Dope, popping and beautiful place. Alors ça... Bon, ça, il n'y a pas d'objet habillé. Hein. Le mec, comment il a bourré mon colis, ça aurait pu... Ah, il n'est pas abîmé. Bon, il est... Alors, vous voulez voir... Oh là là. Non, mais what the fuck. Alors ça, c'est l'objet le plus what the fuck. Les chiens en train de chier, quoi. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pourquoi j'ai acheté ça, moi. Regardez. C'est n'importe nawak. Oh, c'est dégueulasse. Le mec achète un calendrier, je suis en train de chier, quoi. Non, mais what the... Oh, remarque, franchement, c'est mignon. Franchement, tu donnes ton... Ouais, par contre, les images sont un peu de mauvaise qualité, quand même. Hein. Ouais, franchement, ça peut faire un cadeau, what the fuck. Non, mais mort de rire. Eh, franchement, l'idée est là, quand même. Moi, je trouve qu'il y a de l'idée, quand même. Alors, je vais pas tous vous les présenter, mais n'empêche. Vous auriez pu faire un résumé derrière. Bon, alors, ça, c'est validé en tant que what the fuck, mais sinon, objet à garder, c'est un peu de la merde. Ouais, c'était pour vous faire voir des trucs un peu... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est les fameuses petites poches à caca, parce qu'on a une petite chaîne, et souvent, en promenade, on a du mal à trouver des poches à caca. Donc ça, vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Ah, les toniques, les toxiques bombes super! Ça coûte cher par contre. Bah, je vais sortir. Il y en a un, ça sent le caca, l'autre, ça sent. Je sais plus quoi. Ah ouais. Ah, vous savez quoi? Je vais l'ouvrir et on l'essayera après. Allez. Bon, on va y arriver. Attends. On ouvre ça. Tac. Bon, elle est un petit peu abîmée la boîte, mais bon, ça va. Il n'y a rien de cassé pour le moment. Regardez. Hop. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ok. Je vais vous faire voir les trois boîtes. Regardez. Toxic Bomb. Oh, t'as trois odeurs différentes. Hein. T'as le Stinky Ass. Moi, bon, je sais pas si je vais les ouvrir parce que j'ai peur que ça pue, quoi. Alors, c'est des petites boîtes vraiment où ça pue, ça sent le vomi, ça sent la merde. Alors, franchement, j'ai acheté les trois. Bon, on verra ce que j'en fais. Je ferai peut-être une vidéo à part, j'en sais rien. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah putain. Oh putain, par contre, je me suis bien fait niquer, par contre. Allez.
Allez. Alors ça aussi c'est what the fuck. Par contre le plateau je vais tourner un truc un peu plus grand par contre. Ah c'est la première déception là. Regardez. Eh, elle est vachement belle. Eh franchement, eh en shit, T égale HC2. THC, elle est pas mal. Eh franchement. Pas bien. Ah, attendez, par contre, il y a un petit. Ouais, il y a un petit pet en haut. Ouais. Ouais. Bon, ça va. Bon, ça va. Franchement, elle est pas mal. Franchement. Pas mal. Validé ça. Ça veut faire un truc pour les cacahuètes et tout. Franchement, sympa. Ça, c'est Tigeon. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Le fameux stylo, vous savez, à décharge. Bon, je vais l'ouvrir. Oh, bon. Ah, putain! Ah! Ah! Putain, espèce de décharge, sa mère la pute! Par contre, ça marche pas. Ah! Ah, putain! Bon, j'arrive, je vais faire une crise cardiaque, moi, avec ça. Bon, par contre, est-ce qu'il fonctionne, au moins? Allez. Bon, ah ouais, c'est un truc pour faire des blagues. Putain, je me suis remis une espèce de décharge. Putain, j'ai les mains engourdies, quoi. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, c'est des stylos en forme de gélule, médicament. Mais ouais, avec 6 couleurs. Non, mais what the fuck. Bon, désolé d'avoir été un peu stressé au début, hein, mais c'est que bon, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Vous voyez, c'est des petites pilules. Ah, c'est trop kawaii, par contre. Vitamine Balpen. Vitamine, bon, c'est vitamine Balpen, il se casse pas trop le cul, c'est des trucs. Regardez. Et là, hop, vous avez un petit stylo. Hop, putain, mais il est vachement bon, n'empêche. Et hop, ça fait un petit stylo. Et en plus, il marche, hein. C'est pas mal, c'est validé. C'est mignon. Je vous mettrai tous les prix dans ma vidéo. Hop. Bon, ça, c'est validé. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des. Ah, c'est des bouchons de valve fluorescents pour ma bagnole. Ah ouais, truc de ouf. Je vais les mettre tout à l'heure. Hop. Hop. Voilà, ça donne. Attends, est-ce que c'est vraiment fluorescent? Bon, ça, je vois pas grand chose. Hein. C'est pas un peu de l'arnaque? Honnêtement, franchement, je vois pas grand chose. Hein. Attendez. Ça m'a l'air un peu. What? Ça m'a l'air un petit peu de l'arnaque, ce truc. Alors, ça, j'ai l'impression que c'est un peu un attrape-con, quoi. Alors, je testerai sur ma bagnole quand il fera nuit. Avant qu'il fasse nuit. Pour l'instant, c'est pas validé parce que même avec la main comme ça, je vois rien du tout. Première déception, un truc qui fonctionne pas. Alors, ensuite, ça. Ah oui! Ah oui. Putain. J'ai le ciseau là. Allez. Désolé. Putain. Ah oui. Ah c'est... Merde. Putain. Ah c'est un petit dragon. Ah il est mignon. Ah il est mignon. Ah, un petit dragon, ouais. Je m'attendais un peu à mieux, quoi. Ouais, c'est... Ah, il est mignon, quand même. Ah, avec sa petite... Ah, ça va. C'est... Pour le prix, ça va. C'est plutôt mignon. Ah, c'est pas fou. C'est pas fou. Faut le reconnaître, des fois. Ah, ça. Ça me rappelle. Eh, il y a même des objets jeux vidéo. Oh, putain, ça pue la mort. Regardez. Un petit Tamagotchi avec sa petite hop bon on va l'ouvrir, je sais pas s'il y a déjà les piles dedans. Je vais juste choper le cancer moi avant de bouffer les plastiques. Ah allez derrière. Ah. Ah, c'est un petit lapin. Allez. Là, il y a pas mal de... C'est pas mal, hein.
Putain, il y a le chien, la grenouille, le poisson, le papillon, l'abeille, le cochon. Putain, il y a... Il y a pas mal de... Bon, bah, voilà. Bon, bah, ça fonctionne, hein, franchement. Vu le prix, remarque, ça peut, hein. Ensuite, ça, c'est quoi? Ah! Ah, Hello Kitty! Ah, ça, par contre, c'est pas What the Fuck. Par contre, c'est vachement bien, mais ça coûte assez cher, ça. Hein. Alors, j'ai eu lequel? Allez. Oh! Mignon. Ah, par contre, il a une... Par contre, il a une tâche, là. Par contre, ouais, il y a un peu des taches quand même. Hein. Putain, je m'attendais à mieux. Par contre, on voit que c'est de la contrefaçon parce que c'est. Oh, c'est mignon. Ouais, tu le poses là. Ouais, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est pas. Il y a des défauts quand même, attention. C'est pas fou. Alors. Ah, voilà. Pour les chiottes. J'ai acheté ça pour ma mère. Enfin, pour toute la famille, quoi. Regardez. Hop. Ah là là, putain. Eh merde, je suis tombé le bordel moi. Mais what the fuck, regarde, attendez. Chance ça là. Regardez. Oh, les... Ah regardez, ah il est mignon, eh. En forme de cerise. What the fuck. Allez. Eh mais mine de rien, eh, il est pas mal hein. Ah la qualité franchement pas mal du tout. Franchement, honnêtement, pour franchement, Temu, il y a des fois. Franchement, très beau. Franchement, pour 4 balles, je crois. Franchement, ça servira par contre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, une petite trousse. Une trousse en forme de bouteille de lait. Bouteille de lait américaine. On a acheté des merdes. Allez, hop. Allez, en forme de trousse, mort de rire. Allez, eh, c'est super kawaii. Eh, c'est trop kawaii. Et ça, par contre, c'est pas mal. Allez. Ah, il y a même un petit... Eh, franchement, la qualité est... C'est... Eh, c'est pas mal. Eh, franchement, c'est pas mal. Allez, forme de bouteille de lait. C'est pas mal. Et en plus, ça sent pas mauvais. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Voilà. Regardez. Emoji caca pour mettre les petites poches. Vous mettez les petites poches dedans, hop. Regarde. Il y a un truc qui se casse la gueule. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Voilà, le petit emoji caca. Ça, c'est lié pour mettre les poches. Les petits sacs à crottes. Vous voyez, il y a des petites pattes de chien. Donc c'est pour ça que 31 objets. Que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, ah oui, c'est le truc que vous savez pour faire des farces et attrapes, vous savez, le truc qui pue là, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie que ça pue dans toute la pièce. Regardez, non mais what the fuck. Regardez, allez, hop, mort de rire. Bon, c'est des conneries ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, sa figurine, figurine geek. Elle est belle, c'est, je l'ai pris parce qu'elle va. Ah, on voit la qualité direct. Ouais, j'espère qu'elle est pas abîmée. Non, apparemment, non, ça va. Ah, ah il y a son petit chien. Ah putain, elle est belle. Ah, elle est pas mal faite. Eh, franchement, pour 4 balles. Eh, là, on a de la qualité, les gars. Ah putain, elle est belle. Allez. Bon, la culotte est pas trop bien faite, mais alors le reste. Franchement, elle est belle. Allez, Eve. Avec son petit chien. Ah ouais, là, franchement, Temu, on trouve de la bonne qualité quand même. Attendez. Ah, voilà, viens là, toi. Même le petit chien, il est mignon. Je crois qu'elle le tient comme ça, je sais plus comment. Regardez. Super belle, la petite figurine. Allez. Franchement, la qualité. Franchement, pour du truc à 4 balles. Allez, c'est pas mal fait. Là la qualité franchement elle est pas mal avec le petit chien. Là franchement ça c'est largement validé. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des skateboards Fingirl à l'époque.
Ça, par contre, que ça. Ah bon, non, ça va en fait. Tu vois ? Ah, pas mal, hein ? Super Slider. Allez. Par contre. Super Slider. Ouh. Super Slider. Bon, par contre, lui, je sais pas ce qui se passe, mais il lui manque des roues. Ah, il y a une roue qui s'est cassée. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas. Bon, ça, c'est un peu de la merde. Hein. Je vous avoue que la qualité est pas folle du tout. Ça, par contre. Oh là, attendez. Ouais, ça, c'est. Je vais le retourner, ça. Je vais me faire rembourser, ça. Parce que ça, c'est vraiment de la merde. Ah non, attendez. Je dis ça, mais. Attendez. Ah ouais, non, il est cassé. Ah ouais, il était cassé. Bon, ça, je vais le retourner. Les skateboards, je vais le retourner parce que c'est ce truc vraiment qui est cassé. Ensuite. C'est quoi ça? Eh ben c'est quoi ça? Ah regardez le petit truc en pas mal l'emballage, j'aime bien. Hop. Oula. Regardez le petit truc gizmo. C'est pas mal fait ça, ah, j'aime bien, c'est sympa. Avec le machin là. Ensuite. Ah bah je crois que c'est le dernier objet. Ah non c'est l'avant-dernier. Les chaussures à ma mère. Les chaussures à ma mère. Les chaussures à ma mère, voilà. Hop. Elles sont plutôt jolies en tête de mort. Sympa, franchement. Ça c'est pour c'était pour ma mère ça. Donc ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Des stylos en forme de seringue. Ah putain, c'est vachement bien fait. Allez. Allez, en forme de seringue. Piqûre dans le cul. Piou. C'est ouf. Regardez ce qu'ils font quand même. C'est gueulin, quoi. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le... Ah non, putain, il y en a encore. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Mon caleçon. Ah ouais, c'est là, vous allez le voir, vous allez halluciner. Allez, le caleçon, attendez. Bon, ouais, bon, pour fou de l'emballage. Pour fou un peu de l'emballage. Ah, allez. J'ai halluciné quand j'ai acheté. Putain, mais il est vachement grand. Mais what the fuck? Ah non, ça m'en va. Allez, Pringles. Caleçon Pringles. Excellent. Ah ouais, c'est parce qu'il y a le P là. Mais bon, vous l'avez menti. Hein. Allez. Pringles. Génial. Franchement, il est génial. C'est validé. Hein. Par contre, je vais me laver parce que j'ai pas envie d'avoir un cancer des testicules. Hein. Ensuite, il reste quoi? Ah, il reste trois objets. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un petit lapin taille crayon. J'ai acheté pas mal de papeterie. Regardez. Ah, il est kawaii. Ah, il est super mignon avec sa petite pastèque. Ça, je valide, il est pas mal. Ensuite. Encore. Oh là, mais les stylos, mais pourquoi j'ai acheté ça, moi? Ah, putain, je suis fou, moi. Bon, il y avait moins 50% de réduction, donc j'en ai profité. Hein. Regardez. Comment ça s'ouvre, ça? Voilà. Regardez. En forme de sardine ou je sais pas quoi, regardez. Bon, attendez, comment ça... Ah oui! Est-ce qu'il marche au moins? Ouais, c'est bon, regardez. Hop, il marche. Avec la queue. Pas mal, j'avoue. Et pour finir... Ah ouais! Regardez, trois petites gommes... Putain! Oh, l'emballage! Oh, c'est quoi ces emballages? J'en peux plus! J'en peux plus, je veux décéder! Ah ouais, c'est sympa les petites gommes là! Regardez! C'est des petites gommes trop kawaii! Regardez, trop kawaii! Bon bah voilà, alors j'ai fait le tour de toutes les. Alors vous avez eu un peu de pâte pétrie, ouais, des trucs what the fuck, des Tamagotchi. Bon, il n'y a que les skateboards que je vais réellement retourner.
Le reste, je pense qu'il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'enturlo. Ça, je sais pas comment ça marche, le truc, hein, j'ai pas compris. Ah! Attendez, parce que dans on peut... Attendez. Ah, c'est peut-être la gourde pour mettre de l'eau. Ah, voilà. En fait, je crois que c'est validé. En fait, il n'y a que les skateboards que je vais vraiment retourner. Le Tamagotchi marche. Il y a peut-être les bouchons de valve. Les bouchons de valve pour la bagnole, pour les pneus, les roues. J'ai peur que ça marche pas parce que c'était pas luminescent. Quand j'ai regardé comme ça, c'était pas luminescent. Voilà, ensemble, c'est assez validé quand même. Ça, je suis déçu que ça soit pas plus grand. Ouais, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Hein. Le Hello Kitty, je trouve qu'il a pas mal de défauts, mais franchement, la petite figurine, là, ça, par contre, c'est une très bonne surprise. La petite figurine, franchement, elle est bien détaillée. Hein. Le petit Tamagotchi aussi, il est pas mal. Le petit Tamagotchi, franchement, honnêtement, c'est pas mal. Moi, je valide. Il n'y a que les skateboards, je pense que je vais retourner. Bon, les bouchons de vache, si ça marche pas, je m'en fous, c'est pour le délire. Ils sont déjà, naturellement, ils sont jolis parce qu'ils sont bleus. Voilà, hormis les skateboards, je trouve que je ne suis pas déçu. Même ça, regardez, il y a des petits trucs kawaii. Le t-shirt, il est vraiment très quali. Il est où le t-shirt d'ailleurs? Hop, regardez. Vraiment quali, franchement, quali. Hein. Ah merde, il est à l'envers ce con. Regardez. Et il est magnifique cet oxolote là. Ouais, je crois que c'est un oxolote qui mange des ramen. Le truc des chiottes là. Mignon aussi. Bah, franchement, ça c'est pas mal. Je valide tes mots. Franchement, honnêtement, c'est un site. Franchement, des fois vous pouvez tomber sur des mauvaises surprises. Comme les skateboards qui sont vraiment. C'est ce truc que je vais vraiment retourner quoi. Le reste, je vais pas retourner parce que je trouve que c'est franchement honnête. Bon, le Hello Kitty, il a un défaut, mais bon, ça arrive même dans les trucs officiels. Donc je vais pas taper dessus non plus. Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo unboxing, ça fait du bien, ça, sans mode chill. J'espère que vous avez eu l'occasion de prendre un petit chocolat chaud. Et ben avec tout ce bordel que je vais devoir ranger, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Et ce week-end, j'ai deux bourses jouées, donc on verra pour les images et pour la vidéo, évidemment. Et mercredi, j'ai une libre antenne, il y aura Retro NetGen, Dashim et Chozu. Chozu, il a pas répondu, je sais pas ce qui se passe, lui qui est toujours à fond dans les lives. Ça sera pour parler dans notre collection des jeux vidéo What the Fuck. Malheureusement, moi j'en ai pas beaucoup, quoi. Je fais une émission, mais moi-même j'en ai pas beaucoup. Enfin bref, c'est pas grave, ça sera histoire de papoter un petit peu. Et vous aurez aussi les jeux vidéo adaptés en film. Ça sort prochainement, là. J'ai déjà fait la miniature et tout. Vous verrez ça. Allez, ciao et bye bye. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. A plus. Ciao. A plus.